Bonjour, bienvenue sur Musculation Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Aujourd'hui, j'aborde avec toi les suppléments dans le cadre de la musculation. Si tu démarres, tu vas découvrir que l'industrie du fitness, en fait, regorge de centaines, voire de milliers de compléments différents. Des protéines, des gainers, des vitamines, des boosters hormonaux, des brûleurs de graisse, des boosters énergétiques et bien d'autres encore. C'est assez difficile de s'y retrouver, surtout que le marketing autour est extrêmement bien rodé. Je t'explique tout ça, en attendant, jingle! Let's go! Je reprends l'adage d'un de mes mentors, comprendre, apprendre, appliquer. Déjà, il faut que tu comprennes que cette industrie représente des milliards et que le marché est croissant chaque année. Tu vas toujours trouver ça ou ça à côté de ton produit. Ton cerveau va faire l'association en fait entre ce produit et la photo de la personne. Et tu comprends bien qu'ils ne vont pas mettre un sumo pour vendre un brûleur de graisse. Bon, ceci dit, il faudra toujours prendre du recul. Le mec ou la fille ne sont pas comme ça grâce à ce produit, mais certainement grâce à 10 ou 20 ans d'entraînement et de dévotion. C'est simplement du marketing. Le cerveau aime ce qui est facile. Et la promesse, elle est claire. Prends ça, tu vas devenir comme ça. En règle générale, plus la promesse est grosse, plus tu vas te faire avoir. Là où c'est le plus flagrant, c'est évidemment pour les brûleurs de graisse. Alors, est-ce que pour autant c'est de la merde? Non, il faut juste savoir si c'est utile pour toi ou non. Si ce que tu vas dépenser pour obtenir ce produit, c'est utile ou non. C'est là où c'est important de te former. Une fois que tu t'es formé clairement à la diététique, que tu as compris d'où viennent tes calories, l'importance aussi bien des macros que des micronutriments, ben tu peux passer à l'étape comprendre. Tu vas essayer de comprendre les compléments, les suppléments alimentaires. Et ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Tout est accessible sur la toile. Tu fais tes recherches sur les différentes protéines, sur les oméga 3, sur la créatine. Tu as des blogs, des vidéos à foison qui t'expliquent tout et c'est plutôt bien fait. Et à ce propos, si tu cliques sous la vidéo, je te forme sur la créatine. C'est gratuit, c'est juste pour les plus motivés d'entre vous. Je reviens au blog et aux vidéos. Il faut quand même juger de l'objectivité de l'article. Est-ce que la personne te vend une méthode particulière? Est-ce que derrière l'article, il y a une industrie de supplément? Moi, je pars du principe que même si j'ai beaucoup de novices sur cette chaîne, vu mes contenus, vous êtes suffisamment éveillés pour ne pas vous laisser berner. Quand tu as appris, quand tu as compris, eh bien tu appliques. Tu sais que tes apports en protéines sont insuffisants parce que tu consommes peu de nourriture dans la journée, parce que tu as décidé de faire une transition végane. Je sais pas, parce que ta vie est hyper chargée, t'as pas trop le temps de manger. Alors là, tu sais qu'un apport supplémentaire en protéines serait le bienvenu. T'as étudié les différentes protéines en poudre sur le marché, tu sais comment il faut les prendre, tu n'as plus qu'à appliquer. Comprendre, apprendre, appliquer. Ou encore par exemple, tu as compris que la créatine c'était sans danger, que la créatine ça se prenait non pas en une fois, mais en plusieurs fois par jour, que la créatine monohydratée était largement suffisante. Là tu peux commander. A l'inverse, tu as compris que dans la quantité de nourriture que tu absorbes, tes besoins en protéines sont complètement couverts. Mais tu gardes bien ton argent au frais. Je résume cette vidéo. Avant de penser à prendre des suppléments, tu comprends, tu apprends la nutrition. Ensuite, tu te formes sur la complémentation ou la supplémentation. Sur la toile, tu trouveras toutes les infos, et si tu pousses un petit peu, tu trouveras même les études qui vont avec. Et il y a vraiment peu de suppléments qui tiennent leurs promesses, ou même juste une partie de leurs promesses. Si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les dans les commentaires. Tu peux également trouver la formation sur la créatine et sur le training dos avec des problèmes lombaires. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant, sois réaliste avec toutes les promesses des vendeurs de rêves. À bientôt, et deviens chaque jour une meilleure version de toi-même.